capité contre crime sexuel dans le pays a continué à épater plusieurs citoyens après au film mettait en bas code Jean-Nixon Abraham qui c'est officier police qui travaille dans Clessine côté arrêté pour viol sur une jeune fille qui cessait dans Mathurin dans date 26 février 2020 dépassé dans l'île la voix 55 selon sa nouvelle yo rapporté. Bonjour bonsoir tout le monde, nous faisons encore rété sous Sofia TV 83. Pas oublier jeudi c'est lundi 19 décembre 2022. Yo fois encore bienvenue sous réseau information. Nous content et nous là n'a kembe informé sous nouvelle yo. M'a rappelé nous après ça sa yo yo mettait un barcode Abraham qui décibi yo mandat arrestation te gagné d'elle côté commissaire gouvernement Roosevelt Zamot dans date qui était 4 avril passé 2022 pour te mettre un barcode et bien pour collier là il a mis des CPJ et tout de suite yo pral déférer dans tribunal quoi des bouquets pour faire suite légale yo. Nous parlons dans Rivière la Tibonite à correspondant côté gros nouvelle a continuer sorti dans base gang la cap continuer faire kidnapping yo payé $100,000 haïtiens pour libérer 3 moun yo te prend en otage dans jour te passé. Pour finir autorité dans droit moun yo dressé yo liste qui mettait tout uni un pile personnel dans la santé surtout dans la police qui a fait gabji dans affaire prend l'argent dans mes populations la douane corruption fait un pile parler de lui moun sa yo continuer à prendre l'argent dans mes moun soit pour bailler au service ou encore faire yo payer monter les ciel la pado c'est yon liste qui gagnait plusieurs autorités dans l'état et yo commencé sorti une après l'autre yo condamné zak sa yo et yo continuer pral PJ yo fait connait qui les yo et pour mettre yo en barcode dans jou kap vini yo là. Pour le moment nous pral tirivier à cresse information dans journal là et l'autre encore qui pral faire essentiel là pour journée jodia restez là pour vous déplacer c'est moment pour abonner ensemble avec activer petite cloche notification ou apprécier voir toutes nouvelles yo sur channel. Tant que j'en ai annoncé le Jean William Fever pendant week-end rencontre s'il a été déroulé dans niveau commissariat Rivière la Tibonite, c'était pratiquement et groupe résistance dans Rivière la Tibonite qui était invité ensemble autorité pour être venu participer dans rencontre s'il a et dans rencontre là t'ai gagné magistrat communal là dans les vers qui était présent et pratiquement t'ai gagné et directeur départemental et Mathias David et dans moment chaque secteur tant que secteur éducatif là t'ai montré préoccupation pour l'école réouvrir dans commune Rivière la Tibonite à cause Zak Bandi qui permettent majorité élèves dans commune Rivière la Tibonite était obligé et mettre au dehors pour te sauver pour y aller chercher et pratiquement et sécurité dans l'autre zone qui tout près yo ça cause porte l'école yo était fermé tant qu'on annoncer le mairie a été fermé dans même moment les barrages a été fermé mais il y a pas déjà m'ouvrir et puis c'est pratiquement et à travers un contact que magistrat dans les rues ça pral venir sur Rivière la Tibonite parce que même lui-même il était metté en cavale pour protéger Paul par rapport avec les actes bandits yo pratiquement proféré dans zone là depuis mois passé yo. Et puis l'autre information on a rappelé que Cadio toujours été sous Rivière la Tibonite et toujours pratiquement dans la population a exigé soit directeur départemental là qui gagne et ultimatum qu'elle était lancé pour 20 jours et bien pratiquement c'est les 23 20 jours à bout malgré la rencontre là il pas de bail pièce garantie qu'une opération qui va le faire pour attaquer bandio mais elle fait quoi l'ensemble des travaux déjà en main avec ensemble des commissariats pour traquer bandi qui a bail problème dans niveau la Tibonite qui permettre que la population évacue. Activité pendant ce moment, base gangri fait libérer 4 mounes qui ont traversé sur le triangle qui ont été c'est Lama, Balo, Jean-Charles et Peter. Ensemble des mounes qui ont traversé sur le pick-up Ford dans la commune Liancourt et dès décembre passé. Et bien, pour libérer les mounes, c'est à hauteur de 100 000 $ haïtiens par tête. Et citoyens, c'est moun akaye qui tape exoté à le passer par Canaran et pour te rentrer pour ton prince, c'était venu passer par Liancourt, mais base gandrif te mette main sur yo. Selon et pliant, selon otageur, yo fait quoi que monsieur batio en pile avec cap électrique et bâton baseball. Situation ça alimente que la police agit plus rapide qui cap permettre l'autre otage qui n'a même monsieur gandrif dans sa vie, jeune libération yo. C'est une ville vraiment qui pape diriger dans tout niveau, ville lui-même, dit vraiment paraître critique, surtout avec question un phénomène insécurité à
qui va suspendre ta ibada dans divers cas coins, et que vous levez, vous attendez, il y a un cas qui cassé, il y a un business qui cassé, situation ça lui-même, il a gagné, bleu dans les yeux, dans la population qui a gagné pour Koyo, et pour l'autre fois encore qu'apprendre avec le commissaire gouvernement, avec le directeur de la police, là, pour faire diligence, pressé, pour elle, mais qui façon t'es capable de m'éviter, mais la pâte cassée avec quelques bandits qui viennent dans la ville là, qui a ibada, c'est le nettoyage. Surtout dans la période de fête, nous qui apprenons à l'autorité pour faire diligence pour elle qui façon de capable d'établir un climat de sécurité dans cette dépendance. Donc, nous, le dernier jour, nous remarquons une présence policière beaucoup plus dans la rue hein, qui est à fait fouille, qui est justement postée dans plusieurs carrefours. Donc, une particulière situation capable peut-être d'améliorer par rapport à dispositif que l'autorité et policiers eux-mêmes yo prennent en ville là dernier temps ça yo et donc nous remarquons qu'il y a plus de présence policière dans la rue Gonaïve. On s'est désir Vénès, tu es la Simone, tu es Kata Piero, Radio Méga. Merci Désir Vénès, autour d'informations yo sous question phénomène insécurité. Des organisations ensemble contre corruption dans l'administration publique pour année 2021-2022 qui fait connaître yo courrier citoyen qui obligé yo dénoncer que situation qui gagne l'administration publique là côté citoyen obligé à bailler en batable pour joindre service n'a causé ça service immigration ak immigration champion tribunal ak paquet yo sorti en deuxième position d'après secrétaire exécutif ensemble contre corruption Edouard Poult qui parlait tout archives nationales la police ministère santé publique tout qui a fonctionné dans corruption en côté Edouard Poult dans micro Jean-Philippe Massia sondé yo identifié service immigration 80% non moun qui enquêté yo di yo bay kòb an batab pou yo jwenn non sou chaque 100 moun 80 bay kòb an batab pou jwenn un passeport pou jwenn un service nan immigration deuxième institution yo identifié ka pran kòb nan men et citoyen pou yo bay service c'est parquet avec tribunaux la justice qui t'a doué ou instance qui pas mêlé dans bagaille illégal et puis c'est lui qui prend cob en batable commissaire gouvernement juge pour yo bail jugement pour yo bail public la service yo enquêté 78% dit yo obligé bail cob en batable pour yo joindre service dans mes parquet avec tribunal yo archives nationales gain 73% archives nationales DGI yo dit 72% OAVCT yo mette 69% enquêté yo dit que obligé bay comme en batam même dans santé publique l'hôpital service public gain 65% moun qui dit que yo obligé bay comme en batam service foncier PDH la police gain 60% moun qui dit yo bay comme en batam dîner pas gain 48 et puis dernière Bureau d'identification nationale, il y a 37 personnes sur 100 qui sont obligés de faire comme un bataille pour rejoindre le service public. Alors, je vais attirer l'attention sur le phénomène ça, parce que si nous gardons le titre, nous avons le rapport là, quand déciderons-nous de mettre fin au bakchiche dans l'administration publique? Sans question. Et puis, tout comme ça, yo a fait tous les citoyens, mais yo fait comprendre ces agents et fonctionnaires, ces agents et ces fonctionnaires seulement, quand ils vivent avec pratique ça. Mais selon nous-mêmes, dans ECC, il faut que si direction générale, yo, pas gens servis contre phénomène ça, c'est parce que c'est tout système nan qui profite de affaire bakchiche. Et il faut que nous mettions fin dans ça. Dans la discussion que nous gagnons avec l'ULCC, nous faisons discussion ça avec l'ULCC et nous croyons que nous gagnons des recommandations qui pourront aller joindre pour que Haïti soit capable de faire figure l'État pour que les marchés beaucoup mieux. Nous avons toujours été avec Edouard Poult et ensemble contre corruption t'es fait plusieurs recommandations pour finir avec une mauvaise pratique ça y est l'État ici a dû informatiser système n'a affiché prix service citoyen doit enregistrer sous téléphone tout fonctionner qu'a demandé l'agent d'après Edouard Poult qui était tout dans le micro Jean-Philippe Massia.
Premier bagage, là, besoin de lutter contre le versement, contre bachiche, afin de finir payer l'État pour bon service et puis pour encore passer comme en bataille. Pour nous suspendre avec bachiche là, citoyens, yo, nous avons un téléphone intelligent, mais nous prenons son, prenons audio, prenons toute qualité bagage pour dénoncer la façon que il a servi avec citoyens dans le service public. Nous demandons pour le service public eux-mêmes, ils ont affiché, ils ont gagné des procédures qui claires et puis pour afficher en deux bureaux que ils ont pas gagné aucun corps pour verser aucun agent ni fonctionnaire public en d'un côté qu'on recherche un passeport qu'on besoin un bagage dans DGI à faire bachiche là pour nous finir avec lui en d'un pays. On l'autre technique qu'un pile pays servi pour freiner question bachiche là, c'est service électronique, service en ligne. Ou besoin un passeport, pas d'intervention humaine là-dedans. C'est sur ordinateur ou aller ou remplir un formulaire, on paye, etc. Et puis ordinateur bon qui l'a pour venir chercher passeport. Qui l'a pour venir chercher pièce ou besoin dans l'archive nationale ou bien. Donc ça c'est pour faire question et service en ligne. Nous en discussion avec l'ULCC pour que dès 2023, yo si yo capable de gagner un projet pilote pour que citoyens soient capables de joindre service, par exemple, dans l'archive, service dans l'archive nationale en ligne. Et nous, en discussion avec l'ULCC, pour nous voir si il y a appuyé un projet pilote comme ça. L'autre considération, nous demandons l'ULCC pour que le projet de loi sur la transparence publique là, que l'y réviser li avec recommandation que nous fait. Et puis, l'autre recommandation encore que nous fait les concerner entreprises publiques et nous demander pour yon revoir loi organique toute entreprise publique yon refait reformater loi ça yo et puis pour yon intégrer pour yon faire que conseil d'administration yo yon défini pouvoir yon très clair en dans loi organique là et puis surtout que yon intégrer des éléments institutionnels de société haïtienne nan société ville là en dedans conseil d'administration ça oui. Voilà, on t'a écouté intervention Edouard Poult qui est à parler dans nous ensemble et c'est ça qui c'est ensemble contre corruption qui fait qu'on ait fait plusieurs recommandations pour finir pour mauvaise pratique ça l'état haïtien a bien informatisé système là affiché prix service citoyen doit enregistrer sous téléphone yo tout en fonctionnaire qui a demandé yo l'argent. Gain sénateur Patrice Dumont qui fait qu'on est 90% cause la misère en Haïti, c'est résultat corruption. Parlementaire a pris comme exemple, forcer l'État, la connivence avec le secteur privé pour dépatcher l'argent qui prévoit dans le budget pour faire travail peuple. En côté Patrice Dumont. L'IOTICA 3 même tout citoyen, donc encore plus pour monde qui supposé là pour servir l'État, goumé contre corruption parce que corruption c'est la cause, c'est pas, ça me va le dire, pour ça que je là, c'est pas une étude scientifique qui rigoureuse qu'a bail. Mais si on monde fait un coup, passer un coup, 10 ans comme sénateur, et que vous fouillez comme sénateur, l'organe des budgets, l'organe des COP qui dépensaient réellement par rapport à COP qui était annoncé, ou pas exagérer sur 90% de cause pauvreté en Haïti, c'est corruption. Mais ça me dit corruption. Corruption, c'est toute activité, démarche dans l'État. C'est-à-dire entre ministre et ministre, entre sénateur et président, entre premier ministre et député. Et puis, c'est toute démarche, toute action qui fait entre secteur public, ça veut dire gros compagnie, avec l'État. Dans CNMP, côté où il y a un contrat, il y a un bail contrat. Dans le ministère du plan, côté il y a pour recevoir l'argent pour bail coopération, il y a pour gérer l'argent coopération. Coopération internationale. C'est toute action qui fait pour individu qui dans l'État, entreprise privée, prend comme l'État. Pour qui fait travail communauté, travail nous-mêmes qui l'a, travail marchand qui dans la rue, travail ouvrier, travail paysan, je prends pour vous. Je rappelle nous, budget c'est l'argent, moyen financier, l'État prévoit la gagne pour faire tout travail qui gagne pour le faire. Travail dans l'éducation, travail dans la santé, travail dans le développement, dans créer infrastructure, donc dans la construction, construction route, construction immeuble, encourager entreprises installées pour
de monde qui travaille, ou est que partie qui est les autres sources de revenus, hein, les 584 200 000 gouttes. C'est comme entreprise autonome, yo, entreprise publique, yo, réunis ensemble, non année qui représentait contribution dans l'État. En plus, ça DGI bail, en plus, ça douane yo bail. En plus, si vous voulez, sa coopération internationale, fait cadeau ou bien prêté. Pareil, ça, c'est inacceptable et c'est une insulte à la nation haïtienne. Ça veut dire que le pays a gagné entreprise liquide, les APN, les entreprises liquide, les OAVCT, les entreprises liquide, les ONA, OFATMA, AAN, Autorité Aéroportuaire Nationale. Il y a des bagailles nous, EDH, il y a des bagailles nous, ouais. Là, nous, on a aéroport, nous, on a moun, abay, $1, $2, pour chaouyouyou. Mais c'est l'argent entreprise qui est AAN, Autorité Aéroportuaire Nationale. Mais, ou t'es que ça, non, c'est pour être lui et chaouyouyou. C'est un gros communier par rapport à ce pays-là. Mais son petit coup par rapport à 4 milliards de dollars de Caraïbe par rapport à 29 milliards de gouttes. Si le pays a travaillé pour lui, pour la nation, pour les gens qui sont pauvres, pour les gens qui sont pas bons, mais pour les capables de monter, il n'y a pas travaillé pour voler, pour les gens qui sont conscients, pour les gens qui écrasent la communauté. Donc, à partir de ce moment, où tu es capable de joindre un minimum 29 milliards de gouttes, côté pour avoir 29 milliards de gouttes, ou je ne sais que c'est 84 millions de gouttes. Nous poursuivons avec information. Nous parlons de la question migration. Nous avons un responsable ONM qui a un bilan sous ensemble. Nous prenons permettre d'écouter Jean Négo Bonheur qui a un bilan sous ça. Pour l'année 2021-2022, l'Office national migration recevra 188 296 rapatriés qui sont divers côtés des États-Unis, du Kenkaïkos et la Trier. Déclaration coordonnateur NM Jean Négo Bonheur qui t'a rencontré, la presse prélude à la journée internationale migrayo qui c'était hier dimanche 18 décembre. Mais conférence a été baillée depuis vendredi. Pour République Dominicaine, si on l'autre réalité, côté trois derniers mois, ça y a voyé 100 000 haïtiens retourner la caillou. Jean Négo Bonheur lance appel bay pays à caillou pour respecter droit migrayo. En côté, Jean Négo Bonheur. Pendant l'exercice 2021-2022, pour ça qui concerne Haïti, Office national migration, ONM, ambassade pour ministère affaires sociales et travail, MASC, te recevoir 188 296 rapatriés. Ils ont sorti divers côtés, tant qu'aux États-Unis d'Amérique, Bahamas, Zile, Turc et Caïque et la Trier. Pour ce qui concerne la République dominicaine, c'est une autre réalité. À cause de deux pays qui partagent une frontière, côté Haïti, il y a passé une quinzaine communes qui collaient à la République dominicaine et côté tout, ils rejoignent plus passé une centaine de points pour passage qui n'est pas officiel. Population yo sous frontière si la yo qui c'est côté haïtien, qui c'est côté dominicain, ils ont développé un mode de vie qui échappait en bas toute politique contrôle migratoire. Cependant, ça n'a pas empêché la République dominicaine d'appliquer la politique migratoire, li voyez, en pile haïtien, tourner dans une façon qui n'est pas appropriée. Pour l'année 2022, si là, seulement pour trois derniers mois, ça y est, c'est plus passé 100 000 Haïtiens que pays voisins tournaient par Boïsit la caille. Là, nous connaissons toute grosse contribution que migrants ont porté dans le développement économique, ni pays d'origine, ni pays d'accueil. L'important pour gagner l'autre coup de jet sous façon y a traité. Dans ce sens, dans l'occasion journée internationale migrants, pour Anissa, ONM mettait d'accord avec le ministère des Affaires sociales pour marquer le jour ça en baptême, bâtir un monde plus solidaire avec les migrants. Oui, c'est ensemble avec eux, ni pays d'origine, ni pays d'accueil, qu'arrivé construit ou soit renforcé modèle de développement qui est plus solide.
N'a toujours été sous même dossier ça na occasion Office protection citoyen organisé une journée réflexion sur problématique immigration en Haïti. Protecteur citoyen Renan Edouville dénoncé climat insécurité à cas dégradation situation socio-économique pays qui la cause haïtien a couru quitter pays. Renan Edouville critiqué autorité dominicaine qui pas suspendre matériser migrant haïtien alors que compatriotes yo jouit certains droits la loi Bayonne côté Renan Edouville. Permettez-moi de préciser l'une des conséquences du climat d'insécurité qui nous bouleverse, qui bouleverse Haïti, eh bien, depuis trop longtemps, est la dégradation des conditions de vie, des conditions d'existence des catégories sociales les plus faibles. Et ces catégories, le plus souvent, sont exposées à toutes sortes de violations des droits humains. Certaines d'entre elles, ces catégories, deviennent depuis un certain temps en Haïti, dans certains quartiers de la capitale, de l'aire métropolitaine, des déplacés internes. Et ces déplacés internes, le plus souvent à la recherche de mieux-être, décident, même s'ils ne remplissent pas les formalités légales, ou bien toutes les formalités légales, eh bien parfois décident de laisser le pays. On les retrouve parfois en République dominicaine, on les retrouve parfois du côté de Mexique, on les retrouve parfois du côté de Chili, on les retrouve parfois du côté des États-Unis, du Canada, même s'ils ne remplissent pas toutes les formalités légales. Et ils deviennent des migrants. Ils deviennent parfois des travailleurs migrants qui sont en situation d'irrégularité ou bien étant donné que les formalités légales n'ont pas été tout à fait remplies. Et aujourd'hui, à côté des défis en matière des droits de l'homme, à côté par exemple de tous les problèmes que traverse l'humanité, on ne saurait en aucune façon ne pas mettre l'accent sur la situation de ces gens. Et très souvent, se trouvant sur terre étrangère, ils sont victimes de toutes sortes d'abus, ils sont victimes de toutes sortes d'injustices, ils sont victimes de toutes sortes de violations des droits humains. L'important pour nous préciser nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous monde qui quittait la Cali, qui quittait pays d'origine, et même si nous ne sommes pas en situation de régularité, même si nous ne sommes en situation d'irrégularité, même si nous n'avons pas tagué tout papier dans le pays côté l'IA, eh bien nous sommes doués d'un droit à la santé, Mounsa a gen droit à un logement, Mounsa a gen droit tout pour le travail, Mounsa a gen droit pour le manger, Mounsa a gen droit à la sécurité sociale. C'est révoltant, c'est indigne lorsque on a constaté en territoire dominicain des femmes enceintes qui l'hôpital et puis qui arrachaient sur leur lit d'hôpital et bien pour y retourner en Haïti et ceci en violation de tout prescrit relatif aux droits de l'homme. Donc en clair, un travailleur migrant, quelqu'un qui se trouvant sur le territoire d'un pays étranger, il est resté un être humain et en tant que tel, il a droit à sa dignité parce que ce sont des prescrits qui sont insérés dans les conventions que l'État haïtien, que d'autres États ont signées à travers les Nations Unies.